Salut! Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début de l'année 2015, j'avais fait une vidéo sur mes résolutions pour l'année 2015. J'avais dit que je voulais lire 50 livres pour l'année 2015. C'est pas bien parti. Parce qu'on est rendu au mois de mai, donc bientôt la moitié de l'année, et j'en ai vraiment pas lu beaucoup. Parce que, en fait, ce qui arrive, c'est que j'en lis tellement pour l'école, ben tellement. C'est relatif, mais j'en lis quand même vraiment beaucoup par session à l'école et ça me donne tellement pas de temps et envie de lire autre chose. Mais il y a quand même quelques livres que j'ai lus à l'université et à d'autres moments dans ma vie que j'avais envie de vous partager. Donc je vais appeler cette vidéo-là mes lectures du moment. Donc c'est des lectures que j'ai faites dans les derniers mois et que j'ai envie de vous partager. Bien sûr, il y a d'autres livres que j'ai lus pour l'école ou dans... Ouais, pour l'école, qui était tellement mauvais que ça vaut même pas la peine qu'on en parle. Donc aujourd'hui, je vais juste présenter mes livres, soit moyens ou ceux que j'ai vraiment, vraiment, vraiment adorés. Donc comme ça, si jamais vous cherchez des nouvelles lectures pour l'été, peut-être que ça va vous donner des suggestions. Et l'année passée, j'avais aussi fait une vidéo sur des suggestions de lectures pour l'été. Donc mes livres vraiment favoris, favoris de toute la vie. Donc, je peux vous mettre cette vidéo-là en bas et d'infos en bas aussi si jamais vous cherchez d'autres suggestions. Donc, back to le mois de décembre, j'ai lu The Perks of Being a Wallflower by Stephen Chbosky. Ceux qui ont vu le film, c'est vraiment super, super adorable comme histoire. En fait, c'est l'histoire de Charlie qui, je me souviens pas trop s'il rentre au secondaire ou s'il est déjà au secondaire, mais en tout cas, c'est vraiment... super adorable comme histoire, c'est comme l'histoire de son premier amour, de ses premières expériences de vie, de ses premières... un peu son histoire de comment il grandit. C'est écrit sous forme de lettres en fait, il écrit une lettre mais on sait comme pas trop à qui. C'est vraiment le genre de livre qui vous fait comme vraiment sourire. C'est le genre de livre en fait qui se lit vraiment bien en anglais même si vous êtes plus ou moins sûr avec l'anglais parce que c'est vraiment super écrit comme... facilement puis super clairement, donc voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce livre-là. J'ai relu pour une deuxième fois mon livre absolument favori de toute l'histoire de mon humanité personnelle, qui est Tatiana de Paulina Simons. J'en ai déjà parlé l'année passée, pour vrai, je me retiens pour pas en parler genre tout le temps. Ce livre est tellement excellent, vous savez, j'en même pas. Ok, oui, la page couverture a l'air de sortir des années 80. Mais ce livre est juste vraiment, vraiment trop bon. Qu'est-ce que ça raconte? En fait, c'est l'histoire de Tatiana, qui est une jeune fille d'environ 16-17 ans, qui vit en Russie durant la Deuxième Guerre mondiale et qui rencontre un soldat, Alexandre. Et dans le fond, ils tombent en amour. Et c'est juste vraiment, vraiment trop bon. Pour vrai, là, quand j'ai lu ce livre-là la première fois, je l'ai lu en 2 jours, je l'ai dévoré, je capotais, je faisais juste ça lire. Et pour vrai, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas tombé sur un livre, que j'étais pas tombée sur un livre qui me faisait cet effet-là, que j'avais juste tellement envie de lire, que ça me démangeait. Et quand je l'ai eu terminé, j'ai vécu vraiment un gros deuil. J'ai lu le deuxième livre de cette série parce qu'il y en a 3. Je dois lire le troisième parce que c'est comme une obligation morale. Mais avant comme de relire le troisième, je voulais relire le deuxième. Donc là, j'ai terminé le premier pour la deuxième fois et je l'ai tout autant dévoré pour vrai. C'est vraiment un excellent livre. Vous devez vraiment, vraiment, vraiment aller lire ça. C'est sûr que si vous les histoires d'amour, ça vous tape ses nerfs, allez pas lire ça. Mais en même temps, si vous aimez... l'histoire d'amour durant la guerre, si vous aimez l'histoire, pour vrai, c'est tellement bien écrit. Puis je trouve vraiment, pour vrai, j'ai quand même lu beaucoup de livres comme d'histoire d'amour durant la guerre. Puis celui-là est tellement comme explicite sur comment ça se passait vraiment quand t'étais une famille qui habitait, qui restait dans le pays en guerre. Fait que c'est quand même assez difficile à lire comme livre, mais c'est tellement bon. Maintenant, on va passer au livre que j'ai lu pour l'école. Dans mon cours de Women Writers, j'ai lu un classique qui est Jane Eyre de Charlotte Brontë. Je sais pas trop quoi vous dire par rapport à ce livre-là parce que, premièrement, la couverture est genre vraiment trop cute, là. Puis, vu que c'est un classique, ça coûte vraiment pas cher, ces livres-là. Ils m'ont coûté 5$ et puis il était neuf. Puis la couverture est genre vraiment belle. Mais, ça a été écrit comme en 1847, donc je peux vous dire que des fois l'anglais est pas tout le temps facile à lire. Vous pouvez lire en français aussi, je pense que je suis pas sûre qu'il a été traduit en français. Qu'est-ce que c'est Jane Eyre? C'est l'histoire d'une orpheline en fait, qui est comme le premier roman d'une nouvelle sorte de héros, dans le fond, que je sais pas trop comment vous l'expliquer, là, qui a été comme écrite par Charlotte Brontë en fait. C'est que
dans ce temps-là, les héroïnes féminines dans les romans ou les livres, ou peu importe, étaient vraiment comme... Tout était axé sur la beauté, puis tu sais, je veux dire, fait que tu trouves un mari, pis tout ça. Puis Jane Eyre, c'est comme la première héroïne qui a été une héroïne, pas à cause qu'elle était belle, parce que justement, elle l'était pas, mais pour son intelligence, puis sa maturité, puis tout ça. En fait, c'est qu'elle devient, dans le fond, gouvernante d'une petite fille... dans un manoir, si je me trompe pas, et elle tombe en amour avec le père de la petite fille. Mais pour vrai, je vous avoue que c'était quand même bon, et puis je l'ai lu hyper hyper vite parce que je l'ai lu en retard et je voulais vraiment juste clencher mon travail que j'avais à faire dessus. Mais pour vrai, je vais vraiment le relire parce que les moments que je prenais vraiment le temps de le lire, je l'ai quand même beaucoup aimé. Et que j'ai lu pour mon cours de littérature québécoise, c'est Le bonheur à la queue glissante de Abla Faroud, et j'ai tellement aimé ce livre-là, pour vrai. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. En fait, c'est l'histoire de Dounia, qui est une Libanaise qui vient, qui immigre en fait à Montréal. Et c'est comme full bien écrit. Là, j'aime tellement ça les livres que, comme je l'ai dit là avec comme d'autres livres, j'aime tellement ça les livres qui te font chaud au cœur, genre, ou que, tu sais, oui, j'ai surligné des choses dans, tu sais, j'ai surligné des choses dans le livre pour mon cours, mais j'ai surligné des phrases qui me touchaient personnellement. Puis j'aime vraiment ça les livres qui viennent vraiment me chercher, puis ce livre-là, ça en a vraiment été un. En fait, Dounia, elle parle pas français, elle a vraiment beaucoup de difficultés à s'adapter, mais on voit vraiment comment elle aperçoit les choses. Et en tant que comme Québécois de souche, je pense que ça m'a vraiment aidé comme à voir une certaine côté de la réalité immigrante, parce que on peut tellement avoir l'impression que ils sont vraiment comme des outsiders, puis que tu sais, ils fitent vraiment pas. Mais avec ce livre-là, je pense que ça m'a vraiment aidé comme avoir un côté que eux aussi crèment, ils ont de la misère des fois à s'adapter, puis nous en tant que Québécois on peut aussi faire des efforts comme pour les aider. Bon, c'est sûr que là je suis en train de parler de mon cours de psychologie sociale et interculturelle que j'ai eu aussi, mais tu sais, ça fitait vraiment bien avec ça. Mais vraiment un bon petit roman, puis il est quand même assez mince, fait que ça se lit quand même assez bien. J'en ai parlé dans mes favoris du moment, mais pour vrai, Le Device for Little Criminals de Heather O'Neill, qui est vraiment rendu une de mes auteurs favorites. Ce livre est juste vraiment excellent. Ça se lit tellement bien, même encore une fois, comme si vous n'êtes pas vraiment à l'aise en anglais, parce que je sais pas s'il a été traduit en français, même si c'est une auteure québécoise. Ça se lit vraiment facilement. C'est l'histoire de Baby, en fait, qui a 13 ans, qui vit avec son père, sa mère est morte, et puis son père est un peu drogué, il l'abandonne un petit peu, et puis elle essaie de se débrouiller du mieux qu'elle peut, mais malheureusement, elle va tomber dans la prostitution et tout ça. Et pour vrai, c'est tellement comme le genre de livre qui te fait sourire mais qui te fait pleurer en même temps. Donc voilà, j'en parlerai pas trop parce que j'en ai déjà parlé comme plus dans mes favoris, mon dernier vidéo de favoris. Mais pour vrai, c'est vraiment un livre excellent. Et puis en plus, il est vraiment beau, genre j'aime vraiment ça les couleurs. Comme vous pouvez voir, il est vraiment vraiment beaucoup annoté parce que j'ai fait un travail dessus. Mais c'est sûr et certain que je vais le relire, c'est sûr et certain. Et là, je vais juste vous parler vraiment rapidement de genre deux autres livres que j'ai lus, mais que j'ai lus tellement rapidement que pour vrai, je pourrais même pas vous dire de quoi ça parle. Serious Blooms at Night de Shani Mutu. Ça, je l'ai lu vraiment vite, mais pour vrai, je l'ai tellement pas aimé. Puis j'ai vraiment comme... Tu sais, oui, genre, je l'ai lu vite, mais j'essayais vraiment d'embarquer dans l'histoire quand même, puis j'ai vraiment pas réussi. C'est le genre de livre qui se fait comme en plusieurs parties, puis qu'il y a plusieurs personnages différents, puis j'ai vraiment pas aimé ça parce que... Oui, j'essayais de lire vite, mais je comprenais pas quel personnage était qui. Puis là, dans plein milieu, les personnages changent de nom, mais c'est les mêmes personnages. Pour vrai, non, vraiment pas. Et un autre livre qu'on a lu, c'est encore de Heather O'Neill. C'est The Girl Who Was Saturday Night, qui est comme un peu considéré comme le volet adulte d'une histoire similaire à ce roman-là ici. Je vous avoue que je pourrais pas vraiment vous dire de quoi ça parle, en fait. Oui, je pourrais vous le dire, mais pour vrai, ça serait tellement compliqué parce que moi-même, j'ai de la misère à l'expliquer. Mais je l'ai vraiment lu vite, mais j'aime tellement son écriture que c'est sûr et certain que je vais le relire. Donc, c'est sûr et certain que je vais vous en reparler. Peut-être que je le relirai pas tout de suite parce que là, je suis juste vraiment comme en mode écœurantite aiguë de lire des livres qu'on m'a obligée à lire. Mais là, en tout cas, j'ai vraiment comme plein de livres, là, pour vrai, ma bibliothèque est comme... pleine à ras-bord de livres que je veux lire. Et je veux lire comme bientôt ces livres-là aussi, que vous voyez tout le temps en arrière de moi dans toutes mes vidéos. Je veux toutes les lire. Sauf The Fault in Our Stars, que j'ai déjà eu genre 1000 fois, parce que c'est tellement le meilleur livre au monde.
Donc voilà, c'était mes lectures du moment, quelques suggestions aussi des livres que j'ai quand même beaucoup aimés, certains et pas du tout moyens d'autres. C'est sûr que je suis vraiment vraiment loin de finir ma résolution de 2015 et d'avoir lu 50 livres. Mais bon, en espérant que pour l'été, je vais pouvoir me rattraper. Et en terminant, je veux juste vous parler, peut-être que vous connaissez pas en fait BookTube qu'on appelle. En fait, c'est des YouTubeurs et des YouTubers qui parlent de livres sur YouTube, un peu comme nous, on parle de maquillage. Et pour vrai, j'en écoute vraiment beaucoup et c'est un petit peu comme ça que je trouve vraiment mes suggestions de livres, des livres que je veux lire, des livres que je veux pas lire. Donc, je vais vous mettre en barre d'infos en bas, oui, tous les livres que j'ai parlé aujourd'hui, mais aussi quelques chaînes YouTube de YouTubers sur BookTube, dans le fond. C'est sûr qu'il y en a pas vraiment en français, en tout cas, genre... n'ai pas vraiment vu, j'en ai vu une coupe, mais en tout cas, c'est sûr que si vous cherchez des revues de certains livres en français, vous allez sûrement pouvoir en trouver, mais les youtubeurs que moi j'écoute plus sur BookTube, qu'on appelle, sont plus en anglais, donc je vais vous les laisser quand même en barre d'infos en bas si jamais ça vous tente d'aller en découvrir. Laissez-moi des commentaires en bas si jamais vous avez des suggestions de livres que je devrais vraiment lire. Pas que je manque de choix dans ma bibliothèque, mais si jamais vous avez comme vraiment des livres comme... vos livres, genre vraiment coup de cœur que vous dites genre Ellie Beauty, faut que tu lises ce livre-là cet été, dites-moi le, comme ça je vais pouvoir mettre la main dessus et le lire. Puis si je l'aime, ben ça sera grâce à vous. Puis si je l'haïs, ben je vais être fâchée, non, c'est pas vrai. Donc merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo, je vous aime vraiment beaucoup, je vous souhaite une bonne lecture. D'ailleurs, c'est définitivement qu'est-ce que je m'en vais faire là, tout de suite, pour le reste de l'après-midi, lire ma vie. Bye, je vous aime! Tell you don't know, oh oh, you don't know you're beautiful. You saw what I can see. You understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know, oh oh, you don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. Amen.